All rise, oui, vous l'avez. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'Audience Mechanism International, a pillar of excessive law functions residual, the Tribunal Penal et OED. Please be seated. Good morning. Le Président, bonjour à tous ceux qui se trouvent dans le prétoire et à l'extérieur. Monsieur le greffier, pouvez-vous citer le numéro d'affaires? Le greffier, merci, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire MICT 15-1996, le procureur contre Jovica Stanisic-Cesimatovic. Présentation, bonjour, pour l'accusation Douglas Stringer avec Grace Harbour et Thomas Logel, la défense. Monsieur Maître Jordache, bonjour. Pour Monsieur Sanzic, Wayne Jordache de Holmes et Advait Malvaya. Président, merci. Maître Bakatch, bonjour, messieurs les juges. Pour Simatovic, Mélanie Branich, Vladimir Petrovic et moi-même, Mihailo Bakatch. Merci. Le Président, je vous remercie. Bien, Maître Jordache. Merci, messieurs les juges. Chers confrères de l'accusation, ayant écouté le procureur hier et ayant lu le mémoire final du procureur, il est évident que l'accusation a abandonné toutes ses obligations de respecter la présomption d'innocence ou d'assumer sa charge de la preuve. L'entreprise qui mène la commune va glisser vers une culpabilité par association, ainsi que cela a été bien reconnu par la Chambre d'appel dans votre Janine. Si les limites d'un objectif criminel commun allégué ne sont pas bien définies et jugées comme étant non étayées par les éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Au lieu de cela, la stratégie de l'accusation est d'éviter de détailler en éléments particuliers et donc, comme le montre le peu de cas qu'ils font du doute en l'espèce, d'imputer la responsabilité sur la base d'une lecture partielle du dossier. Et comme le montrent les éléments de preuve passés sous silence, c'est la seule solution qui permet à l'accusation de concilier ses allégations avec l'ensemble des éléments de preuve. Foin de la promesse du besoin de donner à l'accusé une juste notification des charges, fini de se fier à l'objectif criminel commun imputé initialement, fini de se fier à la totalité des mots et des actes de Stanisic, même par le truchement de ses propres témoins, fini le critère de la chambre d'appel Bejanine qui demande qu'il y ait un lien entre Stanisic et les personnes qu'il aurait utilisées. Le risque d'attribuer la culpabilité par association est particulièrement élevé en l'espèce et qui est unique pour une raison critique. Les services de sûreté de DB avaient un objet pour s'associer avec les criminels. Comme le montre la partie 1, section 4, annexe 1 de notre mémoire l'évoque, entre 1991 et 1995, l'objectif de l'ADB était de poursuivre les extrémistes serbes et les gangs criminels qui menaçaient la sûreté de la Serbie. Comme les règles le disent très clairement, les agents de l'ADB se devaient d'établir une collaboration avec de tels criminels dans le pays et à l'extérieur, de manière à recueillir des informations et du renseignement. Et donc, les déductions habituelles de criminalité par association avec des criminels ne sauraient constituer une base afin de bien apprécier la responsabilité individuelle de Stanisic. Au lieu de reconnaître ce fait banal, l'accusation essaie de capitaliser sur ce point. Dans ses observations, paragraphes 45 et 61 de leur mémoire finale, où ils avancent que l'ADB était placée de manière particulière pour jouer un rôle pivotal pour faire avancer l'objectif criminel commun du fait qu'il devait fonctionner de manière secrète, et bien là, ils négligent d'évoquer ce mandat-là qui est pourtant critique. Et malgré ce mandat, eh bien,
leur cas éprouvé au-delà d'un doute raisonnable. La première partie de la stratégie est d'abandonner leur propre objectif criminel commun. Comme cela est défini dans le mémoire final de l'accusation, paragraphe 31 et 68, et dans les propos liminaires en 2017, l'objectif criminel commun allégué reposait sur l'unification de territoires revendiqués par les Croates et Bosniens serbes. Selon l'accusation, Milosevic a conçu ce plan pour remplir son objectif ultime de créer une grande Serbie. Ainsi que l'on voit sur la planche 2, je vais attendre que cette planche soit affichée à l'écran. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors je vais poursuivre. Nous pouvons nous passer de la planche 2. Je vais la lire. Comme on le voit sur la planche 2 et dans les pages 5 et 6 de la déclaration liminaire du procureur du 13 juin 2017, l'accusation a déclaré, je cite, « La vision de Milosevic était de rassembler autant de Serbes que possible dans un seul territoire que les Serbes de souche pouvaient contrôler. » Et que certains, comme le membre de l'entreprise criminelle commune Seychelles, appelaient une grande Serbie. En bas de la page 6, ils disent « C'est de cela dont il s'agit lorsque l'on parle d'entreprise criminelle commune ». Fin de citation. À la page 48, l'accusation continue en disant, je cite, « L'objectif de l'entreprise criminelle commune d'une homogénéité ethnique met l'accent sur le contrôle serbe et d'une domination démographique serbe dans des zones stratégiques qui feraient le lien entre les zones détenues par les Serbes en Croatie et en Bosnie avec la Serbie ». Fin de citation. Alors, comme on le voit sur la planche 3, manifestement, l'accusation avait proposé cela comme étant un fait jugé. Les objectifs de la Serbie, je cite, la GNA et des partis politiques dominés par les Serbes, essentiellement le SDS, à ce stade-là, étaient de créer une extension occidentale dominée par les Serbes de la Serbie en prenant des portions dominées par les Serbes de la Croatie ainsi que des portions aussi de Bosnie et d'Herzégovine. Cela, avec la Serbie, deux provinces autonomes et le Monténégro, formeraient une nouvelle Yougoslavie plus petite avec une population serbe importante. Fin de citation. Mais votre chambre a à juste titre rejeté cette proposition puisque cela avait trait, je cite, aux actes, au comportement et à l'état mental de responsables serbes dont font partie nos accusés. Et donc, nous avons défendu les actes, la conduite et l'état mental des accusés de Stanisic sur cette base-là. Et pas une fois. En 5 années, Stanisic a indiqué qu'il soutenait cet objectif-là. Le DB se devait de protéger tous les citoyens en Serbie, qu'ils soient croates, musulmans, hongrois ou albanais du Kosovo, etc., de l'extrémisme et de la crise humanitaire qui s'était abattue sur les rives de la République, l'ex-République Yougoslavie. Pas uniquement 95, comme cela a été indiqué hier par l'accusation, mais sur une période beaucoup plus longue. Alors maintenant, le procureur veut changer cela. Il avance qu'il ne parlait que de Seychelles. La raison est évidente. Comme le montre la planche 4, dans les mots utilisés par Nielsen, l'objectif de l'unification était... une histoire d'amour inconditionnel, fin de citation. Et tous les éléments de preuve aboutissent inexorablement à cette conclusion. Au lieu de cela, maintenant, l'accusation affirme au paragraphe 324-325 de son mémoire final que le plan visait uniquement à saisir autant de territoires que possible. Alors, en vertu de cette toute dernière théorie, Milosevic voulait détruire la Yougoslavie
de manière à ce que les Serbes, Croates et Bosniaques puissent élargir le territoire de manière plus efficace. Bien évidemment, cette dernière thèse est totalement sans précédent au TPY. Et je me risquerais aussi à dire que l'on ne trouverait personne, vraisemblablement, dans les Balkans pour dire que Milosevic voulait détruire l'ex-Yougoslavie. Comme cela a été avancé par l'accusation dans tous les anciens procès de Milosevic à Karadzic, à Kresnic, Mladic et Plavsic, les Serbes de Bosnie, dont leur objectif final voulait unifier tous les Serbes dans une grande Serbie. En abandonnant ce plan criminel commun, l'accusation espère remplacer les éléments de preuve des actes de la conduite et de l'état mental de Sanicic avec l'association de l'ADB avec des criminels. Alors, je voudrais vous donner une illustration de cette stratégie que je trouve emblématique, Zvornik. L'accusation dispose d'éléments de preuve nombreux montrant que Plavovic et d'autres Serbes travaillant à Bosnie ont vu le nettoyage ethnique à Zvornik comme un moyen pour faire en sorte d'effacer l'Adrina comme frontière pour arriver à l'unification. Mais rien de cela concernant Stanisic. Juste pour dire que pour ce qui est de l'ADB, comme nous l'avons expliqué dans la partie 1, section 4 et partie 3, section 5 de notre mémoire finale, et s'inquiéter du débordement de la guerre depuis Zvornik en Serbie. Alors, comment est-ce que l'accusation souhaite concilier ces objectifs si différents? Selon la thèse d'accusation sur Zvornik, comme cela est évoqué au paragraphe 100 de son mémoire, le procureur prétend que Pavlovitch, le commandant brutal de la TO à Zvornik, travaillait aux ordres de Stanisic. Comme le montre la planche 5, à ne pas montrer au public, mais comme on le voit, comme nous l'avons évoqué dans notre mémoire finale au paragraphe 1296, Pavlovitch était utilisé comme source d'information en matière de crime. Je fais juste une petite pause pour que l'on voit ce qui se passe et pourquoi nous n'avons pas les planches. D'accord. En juillet 1992, un agent de l'ADB a indiqué que Pavlovitch avait refusé de transmettre ses informations en disant qu'il les transmettrait plutôt à Jekic. Comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe 1316 de notre mémoire et comme le montrent les éléments de preuve, le chef de la troisième administration de l'ADB, l'administration qui était chargée de contrer l'extrémisme, utilisait aussi d'autres personnes à Zvornik comme source, dont Grujic, le président du gouvernement temporaire serbe de Zvornik, et comme je l'ai déjà dit, et comme l'a montré la preuve, pour pouvoir de fait répertorier les crimes. Et donc l'ADB avait une raison parfaitement innocente de vouloir entrer en lien avec ces criminels. Donc au lieu de se confronter avec les éléments de preuve des actes de Stanisic pour travailler dans un cadre légal, l'accusation, en fait, passe tout cela sous silence. Qui l'a confirmé. Je voudrais que nous passions à huis clos partiel. Le président, huis clos partiel, je vous prie.
le greffier d'audience. Nous sommes en audience publique. Maître Jordache reprend. Donc, ce qui n'est pas tenable, messieurs les juges, nous voulons que les éléments de preuve soient prises en compte dans leur entièreté. Et voilà, enfin, il ne faut pas répandre de mensonges. L'association de Stanisic avec Pavlovitch pour faire avancer les éléments pour que Stanisic mette à disposition Pavlovitch pour mettre en œuvre l'objectif criminel commun des Serbes de Bosnie. Alors, bien sûr, ils n'utilisent pas ce critère-là. Ils demandent que l'on tienne compte de l'ensemble des éléments de preuve. Mais en fait, dans le mémoire final de l'accusation, le terme de « procure », donc « mettre à disposition », n'est évoqué que 6 fois et jamais concernant les liens de culpabilité allégués pour Stanisic. Le terme de « fiable » n'est là que 5 fois et juste concernant ses propres éléments de preuve. Comme on le voit dans le mémoire, l'accusation préfère utiliser le terme d'association ou de relation. Alors, pour mettre l'accent sur les risques que comporte ce que l'accusation fait, c'est-à-dire passer la loi sous silence, eh bien, nous voulons plutôt mettre l'accent plutôt sur ces associations clés, ces relations clés, pour démontrer comment, lorsqu'elles sont prises en compte de manière juste et équitable, eh bien, la thèse de l'accusation ne saurait tenir. Alors, parlons de la manœuvre de l'auteur direct. Paragraphe 17 à 51 de notre mémoire finale, nous discutons de la ruse ou de la manœuvre des bérets rouges et voyons comment l'accusation a essayé d'éviter ce qui a été écrit dans Bjanin sur le droit en matière d'entreprise criminelle commune. En fait, la ruse s'applique pas uniquement à tous les contours extérieurs de l'objectif criminel commun, mais à tous les détails qui ont trait aux actes conduits, l'état mental de Stanisic. Hier, l'accusation en transcription 14 avance que Stanisic ne comprend pas le droit évoqué dans l'entreprise criminelle commune sur la question de l'utilisation et a une mauvaise lecture des choses, mais c'est elle qui a une mauvaise lecture. Nous savons que pendant 5 ans, nous avons entendu l'accusation citer des éléments de preuve sur le commandement, le procureur alléguant que Stanisic avait déployé 3 unités dans les opérations visant au nettoyage ethnique. Et maintenant, ils veulent que nous ignorons ce commandement et que l'on juge l'accusé coupable sur la base de l'autorité uniquement. Ils savent qu'il n'y a pas d'élément de preuve indiquant que Stanisic ait donné un seul ordre à Arkane ou même lui parlé entre 91 et 95. La même chose vaut pour les scorpions et la même chose vaut en 92 et 93 pour les bérets rouges. Mais plutôt que de l'admettre, eh bien, il glisse, comme on l'a entendu hier dans ses 11 effets de manche sur le fait que la DB serbe n'avait pas arrêté Arkane dans l'opération Thompson. Bon, je suis désolée, mais ce qui est allégué doit être prouvé. Et le fait que l'accusation n'ait pas prouvé le commandement de Stanisic ou son déploiement des 3 unités, le fait que sa contribution significative ne saurait être prouvée que sur la base d'une autorité non spécifiée ou sur la base que quelqu'un d'autre ait commandé les 3 unités. Eh bien, ce qui est allégué doit être prouvé. Là, nous devons voir les indices de l'accusation. Au paragraphe 107, qui devrait aider pour montrer que le fait que Stanisic doit être tenu responsable de la conduite de tous les bérets rouges en 95. Mais pour être juste, je crois qu'il faut reconnaître au procureur le fait qu'il a un travail considérable à faire. Mettons de côté la question
des cartes d'identité du SMOP allégué pour l'unité qui nous donnent très peu d'éléments dans les circonstances en l'espèce. Nous sommes d'accord pour dire que ces indices-là sont utiles. Tout d'abord, dans les mots employés par l'accusé, les mots qui ont informé l'unité qu'ils étaient commandants de l'unité, cette assertion ne peut se associer qu'aux éléments de preuve RFJ 137 pour dire que Simatovitch soulignait à Légimitch que seul lui, Stanisic, pouvait prendre des ordres pour l'unité. Stanisic n'a pas prétendu et n'a jamais prétendu qu'à partir du printemps 92 jusqu'en août 93, il était commandant. Champignons après l'unité en gestation. Deuxièmement, le fait que les membres de l'unité comprenaient l'accusé comme étant leur commandant, y compris pendant les déploiements et la chaîne de commandement par l'intermédiaire des commandements de l'unité qui prenaient les ordres de l'accusé. Un grand nombre de membres de la SDG qui ont témoigné pour l'accusation n'ont pas établi ce lien de Stanisic-Arkane. Par exemple, RFJ 011 AP 02649, transcription 8977 à 8978, disait qu'il ne savait rien de Stanisic, même entre 94 et 95. RFJ 129 a témoigné pour dire, je cite, je n'ai rien entendu dire concernant Stanisic. Fin de citation. C'est à la page 33 de sa déposition le 3 juillet 2018. La même chose vaut pour les bérets rouges. Aucun des soi-disant commandants vétérans n'a indiqué que Stanisic était leur commandant. Ils ne le considéraient pas comme tel, ni les bérets rouges de Dragan, ni les bérets rouges de Vukovic, de Bosnie en 92-93. Aucun des paramilitaires dans le rapport de 1992 1D00067. Les éléments de preuve ne sont tout simplement pas présents. Troisièmement, les sobriquets utilisés, les hommes de Francky, béret rouge, Guinness, loup gris, les éléments de preuve sont éloquents, aucun groupe identifié n'était identifié comme homme de Jovita ou de Stanisic. Vous connaissez la culture militaire et vous comprendrez la signification de cela. Quatrièmement, l'affirmation que les uniformes de l'unité avec l'épée de la DB et l'insigne des loups gris de l'unité, même insigne trouvé sur l'uniforme de Simatovitch, indique que son commandement, pour commencer, l'accusation ne mentionne que les membres de l'unité portant cet uniforme à Paisoch. Bon, ce qui est encore plus instructif, les insignes de loup gris et de l'épée, confirmés par le RSJ 12, étaient des emblèmes extrêmement communément trouvés dans les Balkans à l'époque. Il a confirmé qu'après la dissolution de son unité, les anciens membres, je cite, ont continué à faire leur travail en utilisant l'uniforme et les insignes des bérets rouges. Fin de citation. L'RFJ 137 a confirmé qu'il a confirmé à porter le sien, bien qu'il n'avait plus d'association à la DB après l'unité en gestation. Et quid justement des sceaux internes de l'unité en gestation ou des sceaux qui ont changé selon l'accusation? Alors, sur la planche 8, l'accusation prétend, paragraphe 120, et l'a redit d'ailleurs hier, que la preuve du commandement de Stanisic, surtout les bérets rouges en Croatie et en Bosnie, vient du fait que le tampon était le même. Mais il oublie de mentionner, et ne donne pas d'argumentaire, que les tampons utilisés après la dissolution de l'unité en 92, au printemps, sont différents du tampon officiel de l'unité en gestation utilisé par Ivanovitch le 11 novembre 1991. Cinquièmement, le statut privilégié de l'unité
manifesté dans son impunité vis-à-vis de la police locale, le fait qu'il pouvait traverser les frontières librement. Mais alors, où sont les éléments de preuve de tout cela? Comme cela est abordé dans le paragraphe 1443 de notre mémoire finale, en 1993, lorsque Misovic a commencé à avoir des problèmes pour essayer, lorsqu'il essayait de traverser la frontière en Serbie, il a demandé à appeler qui? Stanisic, le commandant des deux dernières années? Non, il a demandé le ministre Sokolovic. Lorsque les groupes de Béret Rouge ont été arrêtés en Bosnie par Davidovic, est-ce qu'ils ont appelé Stanisic? Non. Comme on le voit dans un rapport de l'agent DB 92-1D00747, lorsque la police a confisqué les éléments de contrebande d'Arkan, qui a-t-il appelé? Stanisic? Non. Bazda? Oui. Sixièmement, la documentation de l'accusé sur l'unité, comme on le voit dans les dossiers personnels des membres et des personnes qui figuraient sur les listes de paye. Comme on le voit dans l'annexe 7 de notre mémoire, les dossiers personnels contenaient un certain nombre d'éléments qui disaient qu'ils étaient membres d'un groupe d'unité, mais aucun lien express pour dire qu'ils avaient un lien avec Stanisic ou l'ADB. C'est curieux que même dans des documents confidentiels ADB, aucun fait élément cas du fait de reporter à Stanisic, comme pour les personnes. Un peu plus tôt, au mois d'août 1993, on parle de la création de la GETD. Oui, c'est très pratique, dit l'accusation, mais pas vraiment. Très pratique, en fait, très peu pratique. Hier, on a beaucoup parlé de la dissimulation alléguée du SDB de 1D0006, le rapport de 1992. Ce que l'accusation ne mentionne pas toutefois, c'est que Stanisic a le droit, conformément aux règles du travail de la Sûreté d'État, article 69, page 18, document P0006, avait le droit de détruire ceci, ainsi que les perdièmes pour les fichiers personnels. Ce qu'il ne mentionne pas également, comme nous l'avons montré dans notre mémoire au paragraphe 121 à 128, c'est que les perdièmes reflétaient un système informel de paiement utilisé pour une grande variété d'objectifs, y compris le remboursement des membres de la sûreté publique et des membres qui avaient été engagés de manière temporaire pour effectuer des fonctions spécifiques, comme par exemple les pilotes de la VJ, des membres de la famille de ceux qui avaient été tués, des chefs, des concierges, etc. Et donc des personnes qui avaient commencé également leur entraînement, même s'ils n'avaient pas encore complété leur formation. Au lieu de se concentrer sur ce type de détails, l'accusation a utilisé ceci pour embusquer l'accusé. L'allégation de l'accusation à l'annexe ED2, à savoir que l'ADB a payé 60 membres du SDG à partir de septembre à octobre 1992, a été dit. Nous avons de manière répétitive demandé à l'accusation de nous communiquer ce qu'il savait, ce qu'il voulait concernant les noms des hommes d'Arkan. Qui étaient-ils? Combien d'entre-ils étaient-ils? Qu'est-ce que l'ADB leur a payé? Et nous n'avons absolument rien entendu jusqu'à maintenant. Il s'agissait d'un silence retentissant. Et maintenant, nous pouvons rien faire. Pire que cela, l'accusation atteint ce chiffre, le chiffre de 60, en ayant une mauvaise lecture délibérée des preuves. La diapositive 10 présente un exemple particulièrement flagrant de cela. Ils choisissent des noms qui proviennent d'un journal de témoins P03159 qui n'avait pas encore été identifié comme étant des membres des SDG. Et voilà, 60 noms, c'est tous des hommes d'Arkan et vous ne pouvez absolument rien faire, plus rien faire.
La diapositive 10, qui ne devrait pas être montrée au public, montre qu'il ne s'agit pas seulement des contours de l'affaire qui s'écroule, comme il a été discuté au paragraphe de notre mémoire. Les bérets rouges ont été utilisés pour former les volontaires, les 29 personnes nommées pour les camps de formation sont disparues et les 8 ont maintenant disparu. Nous parlons maintenant de 17 unités et de commandants vétérans. L'on ne se concentre plus du tout maintenant sur la formation, mais plutôt sur les déploiements militaires. De plus, la stratégie s'applique tout au long de cette affaire. Plutôt que de parler de l'approvisionnement, l'annexe A, liste 92, parle de 55 individus avec lesquels les accusés avaient des relations importantes. De plus, l'annexe D donne une liste de 228 fiches de personnel et l'annexe E1 parle de 131 individus sur la liste des pères d'IM. Et alors voilà, c'est une façon de contourner les structures de la GCI. Donc il ne s'agit pas d'assignation, mais on ne parle pas du tout de tout cela dans le mémoire. Et ce que vous devriez faire, Monsieur le Président, Messieurs les juges, on vous demande simplement de choisir des éléments qui conviennent. Prenons par exemple le Boykan Djurkovic, l'annexe A, paragraphe 35, où l'accusé est accusé d'avoir des liens importants avec ce dernier. Pourquoi? Parce que on mentionne son nom dans un document du renseignement P01651 qui a été appelé Forward to Frankie, envoyé à Frankie. Et cela ne mentionne seulement que Djurkovic a mené la commission d'État et qu'il a déplacé des familles de musulmans à Bielina. Donc, on change des éléments du dossier et cela ne vous aidera pas, Monsieur le Président, Monsieur les juges, d'appliquer le droit en matière de l'ECC et surtout lorsque l'accusation refuse d'accepter le doute raisonnable. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur l'omission de l'accusation de prouver la contribution de Stanišić. Nous allons maintenant nous concentrer sur la thèse de l'accusation, à savoir que Stanišić a apporté une contribution importante et puisque l'accusation aime bien parler des liens, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Tout au long de leur mémoire, l'accusation tente de prouver dans leurs propres mots, au paragraphe 939, que je cite, à partir de 1991 et 1995, Stanišić était considéré comme étant l'homme de Milošević, la main droite de Milošević, et ils mettent sur lui un rôle, ils lui attribuent un rôle unique, politique et militaire, au paragraphe 886. 96 et 897, ils disent qu'il a été impliqué dans la formation, dans le financement et d'avoir donné et apporté soutien logistique et d'avoir fourni également des armes aux forces serbes dans la Krajina et au SBSO et en Bosnie-Herzégovine. L'étendue de ces allégations est absolument remarquable, mais ce qui découle clairement de ceci, c'est que M. Stanišić a dû être engagé dans une action constante, dans un comportement constant. Donc même si l'accusation avait a raison, Stanišić, même si Stanišić était en mesure de fonctionner de manière cachée, l'on s'attendrait de manière sans équivoque que ses liens avec les autres membres de l'ECC, qu'il ait participé donc avec eux à ces crimes. Indépendamment de ce que l'on s'attend, les procès au pénal l'exigent et c'est justement pourquoi la thèse de l'accusation s'effondre. Il existe donc un problème entre eux. Les allégations condamnant Stanišić et leurs allégations, à savoir que Stanišić est l'architecte qui a mis en œuvre le tout et qui a également eu des liens avec d'autres membres de l'ECC. Pour conclure, et nonobstant les crimes qui sont commis par d'autres en Croatie et en Bosnie, si l'accusation ne peut pas établir des liens pertinents et probants avec Martić, Adić, Arkan et les Scorpions, l'unité
Kostic, Kojic et d'autres agents de la DB, Karadzic, Mladic et Mitjo Stanišić, eh bien, à ce moment-là, leur thèse doit échouer. Voilà les exigences minimum nécessaires pour pouvoir prouver que ce qu'ils allèguent a été fait. Penchons-nous maintenant sur la Croatie avant de passer à la Bosnie. Un élément très utile lorsque nous examinons les liens est d'examiner le recueil du renseignement qui est le champ d'expertise de Stanišić. Au paragraphe 58, l'accusation prétend que l'accusé avait reçu des informations afin de pouvoir influencer des événements qui se sont déroulés sur les territoires qui ont été pris par les Serbes pour pouvoir mettre en place un objectif criminel commun. Mais comment le savent-ils que cela n'a pas été utilisé pour maintenir les efforts de paix en Serbie? Eh bien, ils ne le savent pas. L'accusation ignore le fait que les éléments de preuve montrent sans équivoque que Stanišić n'a pas utilisé le renseignement pour appuyer Martić et Babić. L'élément de preuve, au paragraphe 420 du mémoire en clôture, Martić et Babić ont démantelé la DB de Krajina en juin 1992 par Skorlović. Le chef d'état de sûreté d'état de Martić avait envoyé des informations à Stanišić tout en contournant Martić. L'accusation ne peut passer sous silence cet élément de preuve. Il démontre donc une relation d'antagonisme qui n'est pas du tout cohérente avec l'accusation de l'accusation, tout en simultanément rejetant les dirigeants du RSK dans cette zone très critique de soutien. Stanišić apparemment les a aidés de toute manière possible et imaginable. Pourquoi Stanišić aidait-il Martić et Babić pour, entre autres, créer la police de Krajina du SBS en appuyant la TO de Krajina et le SBSO, la TO de la SBSO, et en déployant Arkane et des bérets rouges. Il semble vraiment incroyable de dire cela. Eh bien, l'accusation insiste sur ceci en s'appuyant sur des allégations de théories qui ne sont pas du tout prouvées. La théorie parallèle de structure et la ligne de Vasiljević du SBSO. Ceci a été conçu pour remplacer les réels éléments de preuve et les relations en agissant afin de faire avancer l'objectif criminel commun avec rien d'autre que de l'air chaud. D'après l'accusation, au paragraphe 7, 117 et 203 à 205, la structure parallèle à Krajina a contourné les dirigeants locaux et a permis à Losevic, par le truchement de Stanišić, d'effectuer le contrôle sur les structures politiques et militaires et ainsi de déterminer la politique, faire des nominations clés et également d'établir des forces serbes, tout cela afin d'atteindre l'objectif criminel commun. D'après l'une des versions de Babić, tout ceci a commencé en août 1990, établissant les conditions pour un objectif criminel commun efficient. D'après l'accusation, cela impliquait Bogdanović, Dragan, Filipović, Martić, Orlović, Arkan et d'autres représentants tels que Zečević et le président Ben Kovac à partir de novembre 1991 jusqu'en février 1992. La Vojna Linija, donc la filière militaire, était également très occupée. D'après le paragraphe 197 à 199 de l'accusation, du mémoire de l'accusation, la Vojna Linija comprenait tout d'abord Stanišić, bien évidemment, qui, au nom de Milošević, avait coordonné Simatović, Badja, Kertész, Bogdanović, Filipović, Stepačević, Arkan et les généraux de la JNA, Biočević, Ivanović, Panić et Aranđelović. D'après la thèse de l'accusation, cela a permis à Stanišić de transformer la JNA et de coordonner avec eux divers paramilitaires, y compris Arkan, de donner l'autorité de Stanišić sur Kertész, Bogdanović, la TO du SBSO, etc., etc. Qui a besoin de preuves de liens réels lorsque vous avez une structure parallèle et une Vojna Linija, une filière militaire? Mais le problème, bien évidemment, est double pour dire le moins. Alors, tout d'abord,
la planche 11 qui ne devrait être montrée au public. Janukovic et la création de Bogdanovic, ils ont créé une commission de trahison et Nielsen l'a confirmé. Le MOUP, la chaîne de commandement du MOUP a fonctionné de manière tout à fait normale en 1991. Stanisic's ability to work. Monsieur Jordache, les interprètes vous demandent de bien vouloir ralentir. La capacité de Stanisic de travailler n'était pas possible. Donc, Janukovic avait le tout et les mains de Stanisic étaient liées. Je ne dis pas que Stanisic était complètement absent de son poste de travail, mais il n'était pas en position de de facto pour jouer le rôle qui lui avait été imputé. Le deuxième problème étant bien évidemment et pire que celui-ci. Les théories sont illogiques et consistent en d'affirmations n'ayant pas un soutien réel. Comme nous l'avons expliqué au paragraphe 355 à 357 et au paragraphe 485 du mémoire, il repose les éléments de preuve sur Babic et Vassilievitch. RFJ 084 a entendu les affirmations de Vassilievitch et les a adoptées. Si l'on met de côté le fait que Vassilievitch a rétracté ses affirmations de la Voïnalinia dans son ensemble, sa thèse originale reposait sur une prémisse essentielle, telle que discutée dans la deuxième partie, section 4b de notre mémoire, et ce qui a été affirmé également par RFJ 017 et RFJ 087 contre 1990. Et le mois de juin 1992, Milosevic n'avait pas le contrôle du commandement supérieur de la JNA. En d'autres mots, Stanisic avait l'obligation, par le truchement de ses relations avec les commandants individuels JNA sur le terrain et sur SBSO, les représentants du MOUP et les paramilitaires, pour assurer que Milosevic avait contrôlé les crimes. Toutefois, cette prémisse essentielle a été contredite directement par la thèse de la structure parallèle de Babic, comme il expliqué au compte-rendu d'audience 13129 et 01246. Milosevic avait contrôlé la JNA par le truchement en contrôlant la présidence de la SFRY et le SSNO. Donc Stanisic n'avait pas besoin d'une structure parallèle en Kraïna, qui est essentielle, bien évidemment, pour le SBSO. Mais les deux ne peuvent pas être vrais. Soit Stanisic devait travailler au niveau du terrain pour inciter la JNA à faire ceci, eh bien, on doit se pencher de manière plus rapprochée sur les deux théories. Telles qu'expliquées au paragraphe 485 et 510 de notre mémoire, la thèse originale de Vassilievitch a manqué d'alléguer autre chose que le fait que Stanisic avait simplement participé aux réunions avec des généraux de la JNA. Il ne peut pas non plus appuyer l'affirmation à savoir ce qui s'est passé dans les réunions. RFJ 085, dans son témoignage, ne donne pas de détails non plus, comme cela est démontré dans le mémoire de l'accusation. Il avait dit qu'il n'avait absolument aucune connaissance du lien légué de Stanisic avec Badja, Bogdanovic, Vassilievic, Boshkovic, Bjorcevic, Bratovic, Stojadinovic, Vujetic et Kertész, malgré le fait d'avoir allégué que Stanisic a entraîné ses hommes dans la Voïnalinia, dans la filière militaire. Pour ce qui est de Babic, même la prémisse de cette théorie est ridicule. Babic et le SDS en Croatie étaient très modérés. Alors personne à l'extérieur de l'accusation n'accepte ceci comme étant une interprétation valide de Babic. Les éléments de preuve dans cette affaire démontrent autrement. D'après Babic, au compte-rendu d'audience P01246, page 210 à 211, je cite, les unités de la police et les unités volontaires étaient engagées dans des mouvements provocatifs pour passer de l'autre côté et la JNA pouvait les joindre et donc mettre en œuvre les opérations de nettoyage ethnique.
Mais examinons ceci. Malgré le fait d'avoir prétendu que l'ADB avait le contrôle sur tous les événements de la SA Ukraina à partir de 1991 et 1995, il a confirmé que le seul nom qu'il connaissait de l'ADB était Sanichi, Timatovich, le capitaine Dragan et Ficha. Et pour ce qui est maintenant des agents imaginaires sur le terrain, eh bien, il n'avait aucune connaissance de ces derniers. Les éléments de preuve de Babich manquent tout détail concernant les actes de Stanisic. Je vous demanderai de lire son témoignage de manière attentive. D'après Babich, à partir du mois de juin 1991, l'ADB avait un contrôle général sur tous les événements pendant l'époque de la Kraïna. Aucun détail, aucune corroboration. Monsieur le Président, messieurs les juges, vous remarquerez la contradiction. Babich prétend, au compte-rendu d'audience P01246, 13490 à 13491, que DB avait formé des structures parallèles à partir d'août 1990 et plus tard, au compte-rendu d'audience 13545, il prétend que ceci était au mois d'avril ou mai 1991. Mais les deux ne peuvent pas être vrais. Donc les deux affirmations ne sont pas vraies. Malgré l'application des liens qui existent avec les paramilitaires, Babich n'était pas en mesure de nommer aucune unité qui aurait été placée sous le contrôle d'une structure parallèle, à l'exception de Bogdan Bajagic, le commandant de la 7e division de Banya, compte rendu d'audience 13383. Et même lui était subordonné à une structure parallèle jusqu'en septembre 1991, c'est-à-dire lorsque la JNA est devenue impliquée. Et lorsque nous prétendons que l'objectif criminel commun a commencé. Martic a prétendu au compte-rendu d'audience P01247, transcript 3582, qu'il avait, je cite, le pouvoir réel pour Martic. Et également, la structure l'avait protégé, Sanichit Milosevic, donc ils l'ont gardé pratiquement sous son contrôle. Fin de citation. Toutefois, peu de temps après, à P01248 T1525, il prétend que les relations entre Martic et Stanisic étaient amicaux et qu'ils coopéraient de manière de près et qu'il écoutait attentivement à ce que Martic avait à dire. Il ne s'agissait pas vraiment d'une subordination formelle, mais plutôt que de demander conseil à un collègue supérieur. Cela n'impliquait aucune sorte d'obédience. Hadjic était placé sous l'autorité de Stanisic. Pourquoi? Parce que Stanisic allait avec lui parfois à la présidence de Serbie et les gens même disaient que parfois il résidait auprès dans l'appartement de Stanisic et qu'il y séjournait lorsqu'il venait à Belgrade et que c'était la raison pour laquelle il était placé sous le contrôle de Stanisic. Voilà les éléments de preuve. Ce sont des suppositions. Il ne s'agit pas d'éléments de preuve du tout. Quant aux opérations militaires de l'ADB, les éléments de preuve sont également ne sont pas étoffés. Lorsque à P01248 transcript 1394, Babich a été demandé de contrôler les unités de contrôle entre janvier et août 1991, que répond-il? Placé sous le contrôle de la police, ou plutôt il s'agissait des structures parallèles de la Sûreté d'État. Aucun détail, il ne s'agit que d'affirmations. Bien évidemment, il s'agit d'une réponse typique de Babich. Prenez par exemple Plitvice. Lorsque l'on lui a posé une question au compte-rendu d'audience P01246, transcript 13114, lorsque le personnel du Moudou Serbie était impliqué dans les événements de Plitvice, il dit qu'ils avaient connaissance de ces préparations. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés pour organiser le tout. Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Fin de citation. Toutefois, Babich, au compte-rendu d'audience 01247 et 13118, Babich confirme, je cite, avant les événements de Plitvice, Jovica Stanisic est venu à Knin. Franko Sinatovic est venu également Ficha, le capitaine Dragan et plusieurs autres personnes, je ne me souviens pas de leur nom. Fin de citation. D'après Babich, P01246, compte rendu d'audience 1417 à 1418, transcript 1807 à 1808, Stanisic avait le contrôle sur Martic et la DB de la SA Ukraina. Et cela a fait en sorte que Babich ait souhaité démanteler la DB de la Ukraina. Mais il n'y a pas un seul document ou un seul témoin qui confirme cette affirmation. Cela est vraiment absurde.
De nouveau, Monsieur Jordache, dit le président, les interprètes vous demandent de bien vouloir ralentir lorsque vous lisez. Très clairement, lorsque confirmé par OFS 15 le 26 novembre, page 17 à 21, et le 27 novembre, page 23 à 27, 2019, et confirmé par l'ADB de Kraïna dans les rapports de l'ADB fédéral P01426 et P01795, et également Nielsen, paragraphe 346 de son rapport P00850, le service a été improvisé, il s'agissait d'un service de fonction d'amateur, et il manquait beaucoup de professionnalisme et de compétences. Il n'y avait pas d'agent de l'ADB, et donc Dusan Orlovitch avait pris le contrôle, comme j'ai déjà mentionné. Cela avait été démantelé en juin 1992, non pas seulement parce que c'était un instrument de commandement de Stanisic, mais Martic avait l'impression que Orlovitch ne lui envoyait pas les mêmes informations qu'à Stanisic. En réalité, il ne s'agit que d'une ruse de l'accusation de remplacer des éléments de preuve réels et des actes et des comportements avec des affirmations complètement farfelues et non fondées. Tout ceci a été conçu pour faire simplement une seule chose, de prendre des éléments de preuve quant à la présence de Stanisic et de prendre des éléments quant à son activité à Kraïna qui se termine en août 1991 et de transformer tout ceci en une activité aux fins d'atteindre un objectif criminel commun. Au paragraphe 443 dans le jugement Martic, et comme les éléments de preuve le montrent, c'est à ce moment-là que l'objectif criminel commun en Kraïna a débuté. Mais l'accusation a un problème avec ceci, puisque Stanisic disparaît au mois d'août 1991. Prenez maintenant les affirmations de l'accusation au paragraphe 359, 354 et 404 de leur mémoire, alléguant sans pouvoir le prouver que Stanisic a planifié et coordonné toutes les opérations de la guerre en Kraïna et en SBSO entre octobre et décembre 1991 en contrôlant le MOUP de Kraïna par le truchement de structures parallèles et par Badja et d'autres forces du MOUP serbe déployées en SBSO. Et bien évidemment, cela ne tient pas la route et c'est la raison pour laquelle ils doivent manipuler les éléments de preuve. La planche 12 est un exemple qui ne devrait pas être montré au public. Justement, c'est un exemple flagrant de cette manipulation. Tout à fait, il est vrai de dire que RFJ 130 avait dit qu'initialement, le MOUP serbe avait coordonné toutes les activités majeures contrôlées par le MOUP de Kraïna entre octobre et décembre 1991, comme l'accusation alléguée hier au paragraphe 358 de leur mémoire. Mais comme doit le savoir l'accusation, eh bien, ce n'est pas du tout comme cela, comme ils l'ont dit. Lorsque l'on l'a confronté à ceci, il avait admis que c'était simplement une supposition. Il avait dit non, je ne suis pas la personne qui aurait pu détenir cette information puisque je n'étais pas du tout impliquée dans tout ceci. Fin de citation. Si vous voulez copier-coller les éléments de preuve pour prouver votre thèse, eh bien, c'est parce que vous n'avez aucune thèse, vous n'avez pas d'éléments de preuve. L'accusation s'appuie sur une affirmation et insiste au paragraphe 359 du mémoire en clôture que Simatovitch avait coordonné 5000 hommes en Kraïna en 1991. Tout ceci n'est basé que sur le discours de Kula, qui n'a pas beaucoup de sens. En tant que, comme le montrent les structures parallèles de Babich et la Brunalinia, ce n'est pas bien de pouvoir s'appuyer sur simplement des suppositions. Ils n'ont pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Ils n'ont pas respecté le principe de culpabilité non plus. Même si l'on prend la thèse de l'accusation, à son plus haut niveau, l'accusation a détermine de le faire, les éléments de preuve ne démontrent pas que Stanisic a travaillé avec Martic et Hadjic sur les opérations de la guerre ont débuté et lorsque l'objectif criminel commun a débuté. Et c'est également, encore une fois, une des raisons pour laquelle l'accusation argue l'impossibilité. Stanisic avait contribué apparemment à un objectif criminel commun en 1990 et au début de 1991, qui en réalité
l'accusé n'existait pas, même d'après leur affirmation, jusqu'au moins au printemps de 1991. Voilà, c'est une impossibilité. Si quelque chose n'existe pas, il ne peut, s'il n'est pas d'accord, on ne peut pas attribuer, on ne peut pas avoir de contribution à cet accord. Concentrons-nous maintenant sur les relations, puisque nous avons parlé maintenant de ce qui mentionner ce qui a été mentionné précédemment. Maintenant, Stanišić affirme que Stanišić était son supérieur, son premier, son commandant supérieur, paragraphe 223, 224 et 226. Mais en réalité, ces affirmations ne s'appuient que sur les affirmations de Babich et du témoin RFJ 066. Deux autres témoins, RFJ 144 et RFJ 017, ont témoigné de manière analogue. Les deux ont fait référence à la période post-Vance. Les éléments de preuve sont en contradiction avec les éléments de preuve documentaires et les éléments de preuve reçus par les témoins qui ont déposé. Et ceci montre que Martić considérait Stanišić et Koichi Kostić non pas comme quelqu'un qui devait l'aider, mais pour l'embêter à la frontière de la Serbie. On peut voir également qu'un appel avait été fait à Milosevic, que Martić a appelé Milosevic et lui a parlé de ce qui s'était passé à la frontière. Un peu plus tôt, paragraphe 327 et 329 de leur mémoire, l'accusation tente de construire une connexion entre Martić et Stanišić en s'appuyant sur RFJ 066, sur donc ces affirmations que ces deux se rencontraient régulièrement à Belgrade et que et en juin 1991. Je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le Président.